Aujourd'hui, je vous retrouve pour une nouvelle vidéo. J'aimerais vous parler du design intérieur de Mini. J'ai choisi le cabriolet car c'est le même entre la Mini 3 portes et Mini 5 portes. Je vous présenterai après le Clubman et le Countryman qui est un tout petit peu différent. Nous retrouvons quelques équipements en option et des équipements de série. Par exemple, le volant cuir, qui est un volant sport en cuir, est de série sur toute la gamme Mini. Il est bien évidemment réglable en hauteur et en profondeur. Vous avez bien évidemment le bouton Start-Stop pour démarrer. Vous avez cet insert qui est en option, qui est illuminé, que vous pouvez régler juste ici. Avec les lumières d'ambiance que vous retrouvez dans les poignées de porte. L'intérieur du Countryman est un tout petit peu différent, que ce soit au niveau des panneaux de porte qui sont d'un design un peu différent et un peu plus travaillé, un poste de conduite et une console centrale différente, beaucoup plus agréable pour le conducteur et pour le passager avec beaucoup plus d'espace, et toujours cet insert décoratif qui rappelle le design de Mini. Et nous voici maintenant dans le Clubman, qui est mon préféré. On remarque tout de suite que l'intérieur est beaucoup plus chic et raffiné. On le voit ici avec la partie chromée au centre qui détermine bien évidemment où se trouvent toutes les commandes pour le véhicule. Et vous avez un insert comme dans toutes les Mini, mais celui-ci a la particularité de faire tout le tour du tableau de bord jusqu'à devant le pare-brise. Et enfin, pour terminer, nous voilà dans la nouvelle Mini électrique où nous retrouvons un tout nouveau compteur digital qui remplace le compteur à aiguille que nous connaissons chez Mini, où nous allons retrouver les informations essentielles comme la charge de la batterie, la puissance développée par le moteur électrique, notre vitesse et notre autonomie. Bien évidemment, cet écran va se développer sur toute la gamme Mini.